Et salut les abos, bienvenue à nouveau. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ce sera une petite vidéo sur le Nintendo Online qui est arrivé. Donc la vidéo sera assez rapide. Mais c'était juste pour vous dire mon avis et ce qui va un petit peu se passer pour la chaîne. Donc juste avant je vais vous dire, je suis désolé pour l'énorme grésillement dans mon micro. J'ai un nouveau problème, j'ai essayé de le régler à nouveau mais voilà. Bref, je voulais déjà vous dire une première chose, le Nintendo Online, je l'ai acheté donc voilà, je peux toujours jouer. Mais comme vous voyez sur cet extrait, j'ai rendu compte qu'il fonctionnait très mal sur Mario Kart 8 Deluxe. Là vous voyez, voilà, il vient de s'arrêter. En fait, j'ai remarqué que sur Mario Kart 8 Deluxe, il ne voulait plus se lancer du tout. Donc j'essaie de voir, enfin j'arrive plus du tout à lancer de partie en ligne quoi. Je trouve que c'est un petit problème, donc il faudrait que Nintendo corrige ça. Après, je crois que je suis un petit peu le seul, mais je regarde tous mes potes arrivent encore à jouer, mais moi, j'y arrive plus bizarrement. Donc bref, voilà, il faudrait voir pour moi. Enfin bon, bref. Sinon, alors, le online. Moi, je l'ai payé, j'ai trouvé un truc assez cool. C'était le Nintendo Online Entertainment. En gros, c'est un petit peu des jeux rétro sur la NES. Et il y en a encore qui vont sortir beaucoup plus tard. Et puis, franchement, je trouve ça vraiment très très sympa. Enfin, et comme ils vont en jeter encore plus tard et qu'il y en a déjà pas trop mal, je trouve que c'est vraiment très sympa. Et une chose encore plus géniale, je vais pouvoir faire vivre ma chaîne secondaire Match Rétro. D'ailleurs, je vous invite tout de suite à aller vous y abonner car on va pouvoir faire des tonnes et des tonnes de jeux sur ce jeu. Et sur cette chaîne, pardon. Et franchement, j'ai trop hâte de faire plein de vidéos dessus. Enfin bref, en tout cas, je vous incite à aller vous y abonner tout de suite si vous aimez le rétro gaming. Voilà. Alors, il paraît que pour Splatoon 2, il y avait un équipement spécial, mais il fallait avoir un code. Enfin, c'est assez confus. Moi, j'ai pas eu d'équipement spécial. Je sais pas vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que moi, je vous avoue que j'ai rien compris. Je trouve ça assez chelou, mais bon. Ça c'est pas en plus très grave, après un équipement c'est pas en plus le plus important, mais voilà, enfin après il y a le cloud donc je me servirai pas vu que je joue essentiellement Splatoon 2 et ça fonctionnera pas sur Splatoon 2, donc voilà, je vois pas du tout, je vois pas tellement à quoi ça me servirait, puis voilà, enfin bon bref, moi sur online j'en suis assez content au final, parce qu'en gros ça apporte des nouveautés quoi. Moi j'ai pris l'abonnement familial où j'ai inclus moi, mon père, mon petit frère. Et attends, petite dédicace à toi, Lunou. En fait, il avait pas tellement les moyens de se payer l'online et je l'ai payé. Voilà. Je me sens gentille quand je fais ça. Enfin, bref. Ouais. Et puis, voilà. Bref, en tout cas, les gars, j'espère que cette vidéo sur l'online vous a plu. Je vous incite encore une fois à aller vous abonner à la chaîne secondaire Mathieu Rétro. Car dessus, je ferai plein de vidéos. Maintenant, je pourrais la faire vivre cette chaîne. J'espère que cette petite vidéo sur l'online vous aura plu. Et puis, moi, les gars, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!